尊敬的各位国家元首、政府首脑、国际组织的负责人、d'organisations internationales、尊敬的各位嘉宾、distingués invités、女士们、先生们、mesdames et messieurs、朋友们、chers amis、在这个草木生长的en cette belle saison d'épanouissement、来自Les invités venant des 47 pays asiatiques et de 5 continents se retrouvent réunis ici pour approfondir les échanges et l'inspiration mutuelle entre les civilisations. Tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple chinois, et en mon nom personnel,Je tiens à adresser mes vives félicitations pour l'ouverture de cette conférence sur le dialogue des civilisations asiatiques et à souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les invités ici présents. À l'heure actuelle, la multipolarisation du monde,La mondialisation économique, la diversité culturelle et l'informatisation de la société gagnent en profondeur. Et l'avenir de la société humaine est rempli d'espoir. Dans le même temps, la situation internationale connaît plus d'instabilité et d'incertitude. Et l'humanité.Fait face à des défis planétaires plus sérieux, ce qui appelle une réponse commune et concertée de tous les pays du monde. Relever les défis communs et créer un avenir radieux implique non seulement des capacités économiques, scientifiques et technologiques, mais aussi la contribution des cultures et des civilisations.La CDAC offre à cet égard une nouvelle plateforme en faveur du dialogue d'égal à égal, des échanges et de l'inspiration mutuelle entre les différentes civilisations de l'Asie et du monde entier. Mesdames et messieurs, chers amis,l'Asie est l'un des plus anciens foyers.Du peuplement du monde est un berceau important de la civilisation humaine. Elle est un vaste continent doté de riches ressources naturelles et de paysages magnifiques. Sur ce continent qui représente un tiers de la superficie terrestre de la planète, vivent les deux tiers de la population mondiale. Et on compte 47 pays et plus de 1000 ethnies.Plusieurs millénaires avant l'ère commune, les gens vivant dans les bassins du Tigre et de l'Euphrate, de l'Indus et du Gange, du fleuve jaune et du Yangtze, ont commencé à cultiver et irriguer, à couler et cuire, et à construire des habitations.De génération en génération, nos ancêtres asiatiques, partant des fruits de leur travail quotidien, ont créé des civilisations riches et anciennes. Les plaines fertiles, les bassins pittoresques,Les steppes magnifiques, les déserts immenses, les océans et fleuves impétueux et les montagnes majestueuses ont engendré et nourri des civilisations asiatiques multicolores. Au cours des millénaires passés, les peuples asiatiques ont réalisé des exploits merveilleux dans le développement de leur civilisation. Les grandes œuvres littéraires, comme le classique des Vers, les entretiens de Confucius,
le Talmud, les mille et une nuits, le Rig Veda et le Genji Monokatari, les grandes inventions comme le cunéiforme, la cartographie, le verre, les chiffres arabes, le papier, l'imprimerie, ainsi que les réalisations architecturales splendides comme la Grande Muraille, la mosquée Al-Halam, le Taj Mahal et Angkor Wat sont toutes des patrimoines précieux de la civilisation humaine. Les différentes civilisations de ce continent ont écrit une épopée à travers les échanges et l'inspiration mutuelle. Les échanges et l'inspiration mutuelle entre les civilisations asiatiques remontent loin dans le temps. Les anciennes routes commerciales, comme la route de la soie, la route du thé et la route des épices, ont rendu la soie, le thé, la porcelaine, les épices, les peintures et les sculptures très populaires dans les différents pays asiatiques. Et ont été témoins des échanges entre les peuples et du dialogue entre les civilisations. Aujourd'hui, la ceinture et la route, deux corridors et un cercle économique, l'Union économique eurasiatique et d'autres initiatives ont élargi les canaux d'échange entre les civilisations. La coopération entre les différents pays dans les domaines scientifiques, technologiques, éducatifs, culturels, sanitaires et populaires connaît un essor vigoureux. Et les civilisations asiatiques se développent et prospèrent grâce aux échanges et l'inspiration mutuelle intracontinentaux et avec les autres civilisations du monde. Les civilisations asiatiques splendides ont écrit des pages glorieuses dans l'histoire du progrès des civilisations du monde et ont contribué à la diversité et à la prospérité de la civilisation humaine. De la religion à la philosophie, de l'éthique au droit, de la littérature à la peinture, du théâtre à la musique, de la ville à la campagne, l'Asie a créé des us et coutumes couvrant tous les aspects de la vie, des ouvrages littéraires d'une valeur éternelle, de vrais joyaux d'art et des dispositifs institutionnels diversifiés, offrant ainsi plus de choix au développement des civilisations du monde. L'histoire et la réalité dans le monde nous appelle à renforcer la confiance dans nos civilisations et à poursuivre les échanges et l'inspiration mutuelle avec les autres civilisations du monde sur la base des exploits de nos ancêtres afin d'écrire des pages encore plus brillantes dans les annales des civilisations asiatiques. Mesdames et messieurs, chers amis, au-delà de la proximité géographique et culturelle, les pays asiatiques ont des passés similaires et des rêves partagés. Tournés vers l'avenir, nous avons le devoir de bien appréhender et de suivre la tendance générale de notre temps et de traduire en réalité l'aspiration à une vie meilleure des peuples de la région. Les peuples asiatiques veulent une Asie pacifique et sûre. Préserver la paix est une responsabilité assumée par tous les pays. Là où la paix est absente et où règne le conflit et la guerre, il n'y a pas de place pour la croissance économique, l'amélioration du bien-être, la stabilité sociale ou les échanges humains.
Les peuples asiatiques espèrent se débarrasser de la peur et vivre et travailler en paix et en sécurité. Ils attendent que les pays de la région coexistent dans l'harmonie sur la base du respect mutuel et de la confiance réciproque et engagent de vastes échanges entre les civilisations en dépassant les frontières et les limites du temps afin de préserver ensemble la paix qui vaut plus que l'or. Les peuples asiatiques veulent une Asie prospère pour tous. Le développement économique est un appui fort à la survie d'une civilisation. Et la prospérité est un fondement important du progrès d'un pays. En Asie, il y a encore des populations, surtout des femmes et des enfants, qui souffrent de la pauvreté, de la faim et des maladies. Cette situation doit changer. Les peuples asiatiques espèrent s'éloigner de la pauvreté et vivre dans l'abondance. Ils attendent que les pays de la région conjuguent leurs efforts pour favoriser une mondialisation économique plus ouverte, plus inclusive, plus équilibrée et bénéfique pour tous. Éradiquer la pauvreté dont souffrent encore des populations dans certains pays. Mettre chaque enfant à l'abri du besoin et assurer à chaque famille bonheur et joie. Les peuples asiatiques veulent une Asie ouverte et interconnectée. De l'essor rapide de l'Asie au cours des dernières décennies, nous tirons un enseignement important. Il faut ouvrir ses portes et s'intégrer activement dans l'économie mondiale. Si les pays se renfermaient sur eux-mêmes et se coupaient tout lien avec l'extérieur comme des îlots isolés, la civilisation humaine perdrait sa vitalité. Les peuples asiatiques qui refusent la fermeture souhaitent se rapprocher et se connecter. Ils attendent que les pays de la région restent attachés à l'esprit d'ouverture et promeuvent la connectivité en termes de politique, d'infrastructure, de commerce, de finances et d'échanges humains, afin de bâtir une communauté de destin pour l'Asie et pour l'humanité. Mesdames et messieurs, chers amis, la diversité des civilisations nourrit des échanges, et les échanges et l'enrichissement mutuel qui en découlent font progresser les civilisations. Il est de notre responsabilité de renforcer les échanges et l'enrichissement mutuel entre les pays, nations et cultures du monde pour consolider la base populaire et culturelle de la communauté de destin pour l'Asie et pour l'humanité. Pour ce faire, je voudrais avancer quatre propositions. Premièrement, s'attacher au respect mutuel et au principe d'égalité. Chaque civilisation plonge sa racine dans son sol. Elle cristallise la sagesse et les idéaux uniques d'un pays et d'une nation. Et chaque civilisation a une valeur qui lui est propre. S'il existe des couleurs de peau différentes, des langues différentes et des civilisations différentes, il n'y a pas question de supériorité ou d'infériorité. Penser qu'on est une meilleure race ou civilisation
et vouloir transformer, voire remplacer une autre civilisation, c'est stupide. Et cela conduira à des conséquences catastrophiques. Si toutes les civilisations étaient une même couleur, est un même modèle, le monde serait trop monodone et perdrait tout son éclat. Nous devons donc nous attacher au principe d'égalité et au respect mutuel, nous garder de toute arrogance et de tout préjugé, mieux comprendre les différences entre les civilisations et promouvoir le dialogue et l'harmonie interculturelle. Au cours de mes multiples voyages dans le monde, ce qui m'émerveille le plus, c'est le charme unique des différentes civilisations. Je pense en outre à la ville historique de Samarcande en Asie centrale, au temple de Luxor en Égypte, à l'île de Sentosa à Singapour, à Wat Phrakeo de Bangkok en Thaïlande, à l'acropole d'Athènes en Grèce. La Chine est prête à travailler ensemble avec les autres pays pour protéger les patrimoines culturels asiatiques et fournir des soutiens indispensables à la perpétuation des civilisations. Deuxièmement, savoir apprécier la beauté de chacune des civilisations et leur diversité. Chaque civilisation est l'incarnation de la beauté et reflète la beauté de la création. Tout ce qui est beau a quelque chose en commun. L'aspiration de l'homme au beau est irrésistible. Il n'y a pas de place au conflit des civilisations tant qu'on a les yeux pour découvrir la beauté de chacune d'entre elles. À chacun d'entre nous de travailler à la fois à conserver toute la vitalité de sa propre civilisation et à créer des conditions au développement des autres civilisations, ce pour qui toutes les civilisations rayonnent de mille éclats dans le jardin des civilisations du monde. La beauté des civilisations se traduit notamment par les grands classiques de la philosophie et des sciences sociales, et aussi par les œuvres littéraires, musicales et cinématographiques. Aujourd'hui, un grand nombre d'excellents produits culturels étrangers sont introduits en Chine et beaucoup de produits culturels chinois de qualité vont à la rencontre du monde. La Chine entend travailler ensemble avec les pays concernés pour traduire les classiques asiatiques depuis et vers le chinois et promouvoir les échanges et la coopération dans les domaines du cinéma et de la télévision. Cela aidera à approfondir la compréhension des autres cultures et à créer des plateformes d'échange et d'inspiration permettant de faire découvrir et rayonner la beauté des civilisations. Troisièmement, s'attacher à l'ouverture, à la tolérance et à l'enrichissement mutuel. Toute vie a besoin du métabolisme, faute duquel elle s'arrêtera. De la même manière, le repli sur soi conduira inévitablement au déclin d'une civilisation. Les échanges et l'inspiration mutuelle sont essentiels pour le développement d'une civilisation. Seuls les échanges et l'inspiration mutuelle avec les autres permettent à une civilisation de garder toute sa vitalité. Et ils doivent être réciproques, égaux, pluriel et multidirectionnel, et non imposé, forcé, homogène, ni à sens unique.
Nous devons faire tomber les barrières aux échanges interculturels grâce à un esprit d'envergure et nous enrichir de la quintessence des autres civilisations dans un esprit d'ouverture et d'inclusivité pour que les civilisations asiatiques progressent ensemble. L'homme est le meilleur vecteur des échanges. L'approfondissement des échanges culturels et humains constitue un moyen important de lever l'incompréhension et le malentendu et de rapprocher les cœurs. Ces dernières années, dans les domaines éducatifs, culturels, sportifs, sanitaires ou autres, la Chine et les différents pays ont mis en place de nombreuses plateformes et ouvert un grand nombre de canaux de coopération. La Chine souhaite renforcer avec tous les pays du monde les échanges entre les jeunes, les organisations populaires, les collectivités locales et les médias mettre en place des réseaux d'échange et de coopération des think tanks et trouver de nouveaux modes de coopération afin d'approfondir et de consolider la coopération sous toutes ses formes et de faciliter les échanges et l'inspiration mutuelle entre les civilisations. Quatrièmement, veillez constamment à être en phase avec le temps et à innover pour se développer. Le développement pérenne des civilisations a besoin non seulement d'une transmission soigneusement assurée génération par génération, mais surtout des efforts de s'adapter à l'évolution du temps et de se renouveler. L'histoire des civilisations dans le monde nous enseigne que toutes les civilisations ont besoin d'évoluer avec le temps et de s'imprégner de la quintessence de l'époque. À nous de faire de l'innovation un moteur et une source de vitalité du progrès des civilisations afin qu'elles donnent des fruits qui transcendent le temps et l'espace et rayonnent d'un charme éternel. Le moyen le plus direct de stimuler la créativité n'est autre que d'aller à la rencontre des autres civilisations et de découvrir leur qualité pour nourrir ses propres réflexions. En 2018, les touristes chinois ont fait plus de 160 millions de voyages à l'étranger et la Chine a reçu plus de 140 millions de touristes étrangers. Il s'agit là d'une force importante dans la promotion des échanges et de l'inspiration mutuelle entre la civilisation chinoise et les autres civilisations. La Chine entend mettre en œuvre avec les différents pays un plan pour promouvoir le tourisme en Asie afin de contribuer davantage à la croissance économique en Asie et au renforcement de l'amitié entre les peuples asiatiques. Mesdames et messieurs, chers amis, la civilisation chinoise est une composante importante des civilisations asiatiques. Depuis les temps anciens, elle a sans cesse progressé dans la transmission du passé et dans l'innovation, et elle s'est perfectionnée en s'adaptant à l'évolution du temps. Elle incarne les plus beaux idéaux de la nation chinoise et constitue l'aliment nourrissant qui a permis à la nation chinoise de se fortifier et de se développer continuellement. Le papier, la poudre à canon, l'imprimerie, la boussole, l'astronomie, le calendrier et la philosophie de la Chine, ainsi que sa vision de développement centrée sur le peuple, ont profondément influencé le monde et considérablement contribué au développement de la civilisation humaine. La civilisation chinoise est
un système ouvert bâti à force d'échanges avec les autres civilisations. De la diffusion du bouddhisme vers l'Est à l'interprétation de l'islam à l'aide du confucianisme, de l'apprentissage des sciences occidentales à l'introduction du marxisme et du socialisme, en passant par le mouvement de la nouvelle culture et du lancement de la politique de réforme d'ouverture à une ouverture tous azimuts sur l'extérieur, la civilisation chinoise a toujours su se renouveler en restant ouverte et inclusive. Pour la civilisation chinoise, préconiser le bon voisinage et la grande concorde des nations est un principe toujours observé. Œuvrer pour le bien, la sécurité et la prospérité du peuple est une valeur qui la caractérise. Savoir réformer pour être en phase avec son temps est un de ses traits marquants. Et s'attacher au respect des lois de la nature et à l'harmonie entre le ciel et l'homme est une philosophie profondément ancrée. La Chine d'aujourd'hui n'appartient pas seulement à la Chine, elle est aussi une partie de l'Asie et du monde. La Chine de demain ouvrira encore plus grand ses portes et elle fournira au monde des apports culturels encore plus dynamiques. Mesdames et messieurs, chers amis, la présente conférence propose un large éventail de sujets. J'espère qu'elle sera l'occasion de discussions libres et enrichissantes pour apporter de la sagesse et de la force à un avenir radieux des civilisations en Asie et dans le monde entier. Pour terminer, je souhaite un plein succès à la présente conférence. Je vous remercie.